La lune du 100 de septembre 2015. Une interprétation de la Sainte Bible. Qu'est-ce que cet unique événement céleste pourra présager pour le proche avenir du monde Cette insolite éclipse lunaire se révélera unique, de quatre façons. 1. Elle aura lieu dans la 70e année du jubilé depuis qu'Israël est entré dans sa terre promise. 2. Il n'y aura plus de série de quatre lunes pour 400 ans. 3. Elle sera visible en Israël et elle durera cinq heures. 4. Elle arrive à un moment très dangereux quand des armées entourent Israël. Il y avait dit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel serait sauvée. Jésus enseigna. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme, apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Tandis que Joël prophétisa sur le jour du Seigneur, et tandis que Jésus relata une lune sombre à une période, sans précédent de tribulation, et tandis que Daniel... Et de l'Apocalypse prévirent trois années, et demie de tribulation, et tandis que le livre de l'Apocalypse, relate des signes célestes et la colère de Dieu. La lune du sang de septembre 2015 présage ni le jour du Seigneur biblique, ni un retour immédiat du Messie Jésus sur la terre. Il y aura de nombreux événements prophétisés, qui doivent se produire avant que ne paraisse ni la lune de sang final, ni les autres signes prévus. Certains de ceux-ci comprennent ce qui suit. Les anciens prophètes d'Énoch, et Élie reviendront sur la terre et prophétiseront à Jérusalem pour trois ans et demi. Un nouvel ordre mondial dominera la politique, l'économie et la religion. 144 000 évangélistes israélites prêcheront la foi en Jésus et ils seront assassinés. Un chef de file international. Entrera dans le temple de Dieu, où il se proclamera Dieu.